Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardienne, il se passe quelque chose. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Je suis sur Destiny 2, le jeu tant attendu par les fans du premier. Voilà. Merci à Bungie pour leur travail qu'ils ont pu faire jusqu'à présent sur le 1. Et puis, très content de jouer au deuxième, du coup. Je ne vous montre pas le tout début du jeu parce que je l'avais déjà montré lors de la bêta. Donc j'ai montré en vidéo sur ma chaîne. Donc du coup je me suis dit que c'était pas utile de vous remontrer des choses que vous aviez déjà vues. Du coup je ne fais que vous montrer la suite, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo fera office de découverte. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je ne connais pas du tout ce que je suis en train de jouer.
je sais même pas. N'ayant plus le spectre, je ne sais même pas où aller. Et je suis mal en point. Je suis tombé de très très haut, comme vous le savez. Voilà. Niveau Exode. Je sais même pas si je dois aller en bas. Je sais pas. Bah, je sais pas. Je vais peut-être y aller pour voir. Allons-y, allons-y. On verra bien s'il y a quelque chose d'intéressant. Je sais pas, mon petit doigt me dit qu'il faut aller par là, enfin je pense. Mon arcaniste est mal en point. Jolie musique, hein. Je reçois un message d'urgence. Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Nous devons nous y rendre. Y a pas de problème, hein. Et... Par contre, il y a plus de munitions là. D'accord. Et j'ai fait quoi en fait? J'ai dormi dehors ou quoi? J'ai pas compris en fait. Avec tout le temps qui s'est passé, j'ai fait quoi pendant ce temps-là? Enfin bon. Alors attends, on va dire que qu'il faut... Ah, il y a quoi là-bas? Ouais. Très belle musique. Bon, faut aller là-bas. C'est gardien. Ouais. Ils n'avaient aucune chance sans leur pouvoir. Nous aurions pu être à leur place. Gardien, si vous mourrez,
je ne pourrai pas vous réunir. Nous devons être très prudents. Ouais, bah t'inquiète pas, bah. Je veux juste aller par là pour voir s'il y a un truc à chercher. Rien du tout. Ça va. Bon, il y a déjà des munitions, ça c'est pas mal. Ça c'est quoi, c'est un générateur? C'est des chiens, ça, en fait. Ouais. Bon, puis on va pouvoir récupérer des munitions. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Bon, après, faut pas qu'il y ait 36 chiens non plus. Ouais, ils sont stylés, ils sont marrants. Ils sont sympas. On a quand même des jolis paysages, hein. Ça va. La neige fait assez réaliste. Faut aller par là, du coup. Ouais. Ah ah. Encore ce faucon. Dirait qu'il nous suit. À moins que ce soit lui qui l'a suivi. Quand même un joli travail, quand même. C'est... ouais. Graphiquement, c'est pas mal du tout. Ah ouais, avec une belle musique, là. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors la musique, vraiment... lui il nous fait passer où lui il fait passer là forcément. Ah oui.
Oh bah, bravo, n'importe quoi. Ah non, bon, d'accord, c'était... Oh, regardez. T'as peut-être prévu de pas pouvoir aller en face. Une gardienne en parfait état. La situation doit être pire que ce que je pensais. Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Oh, mais attendez. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Ce faucon, il est à vous. Je m'appelle Osorne. Lui, c'est Louis, notre meilleur pilote. Et vous? Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Joli. Il est temps de vous rendre utile, gardienne. Très bien, allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. Du coup, je saurais pas si on pouvait aller sur la falaise en sautant. Peut-être pas. Vu que le loading avant la cinématique s'est enclenché. Je sais pas. Mais bon. Tout ce que j'ai accompli, voyageur. Accorde-moi ta lumière. En place de mon empire. Parle-moi. Et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. Dominus, la cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le Voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, il le prend pour un dieu. Dominus. Gaul. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Calus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. Bonne cinématique. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. Regarde. Vous reconnaissez? C'est là-bas que nous sommes censés. Ce truc? Il l'appelle le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterais de mettre les pieds.
Et voilà, cette première vidéo de Destiny 2 est terminée. Donc là, moi, je vous présente la version PS4 du jeu. Le jeu est sorti ces derniers jours, là, le 6 septembre 2017, donc sur PC, Xbox One et PS4. Donc volontairement je n'ai pas voulu montrer le prologue du jeu parce que je vous l'avais déjà montré lors de la bêta. Donc je vous suggère d'aller regarder la playlist. Donc n'hésitez pas surtout. Par contre, j'ai voulu laisser la cinématique de fin qu'on voyait justement dans la bêta pour remettre dans le bain avant de poursuivre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Par contre, je tiens à m'excuser des problèmes de micro ainsi que les échos dans le jeu. J'essaierai de voir si je peux faire mieux la prochaine fois. Au niveau son, c'est pas dit. Le son était correct, mais disons que c'est surtout au niveau de l'écho, quoi. Ça, c'est un peu le problème. Sinon, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc le jeu, bien sûr, a été édité par Activision et développé par Bungie. Donc voilà, Bungie, toujours les mêmes développeurs que pour le premier. Le premier jeu était déjà excellent. Le deuxième a l'air d'être tout aussi bien, voire même beaucoup mieux. Ça se voit artistiquement, c'est beaucoup plus beau. Ça se joue vraiment pareil. Il y a l'air d'avoir des petites choses en plus qu'on pourra découvrir sans doute au fur et à mesure. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Voilà, il y a une seconde vidéo qui sera publié après celle-ci. Voilà. Alors après, je sais pas si j'en ferai d'autres, ça ce sera à vous de me dire. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo, merci de la partager, de vous abonner à la chaîne vidéo, de vous abonner au site oldschoolgameuniverse.blogspot.fr ou .com, peu importe. Donc c'était Immortal71 Camille. Vous êtes toujours là ? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.